Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être un petit défi, un petit challenge que je me suis lancé et ça allie parfaitement tout ce que j'aime dans ce sport qui est donc le retour un petit peu à la nature et la performance. Donc on va donner le meilleur de soi-même. Là je vais surtout essayer de trouver un arbre avec une bonne branche où je peux réaliser ça. Donc là je vais dans la forêt où j'avais fait pas mal d'épisodes sur Road to 20 Muscle Up. Donc je vais essayer de trouver une petite branche et puis après on se retrouve là-bas et puis on va donner le meilleur de soi-même. Bon les gars, je crois avoir enfin trouvé un arbre correct, enfin plutôt une branche. Parce que ce qui est compliqué, c'est que faut que l'arbre il soit assez solide. Donc souvent bah, pour qu'il soit solide, pour que la branche soit solide, faut que ça soit assez épais. Et si c'est épais, ça augmente la difficulté x 1000 et surtout au niveau du grip, je vais devoir être en false grip comme ça. Donc déjà la traction va être beaucoup moins belle. Je pourrais tester un tout à l'heure mais je pense que la performance elle aura aucune allure. Donc là en fait j'allais partir de ce spot là, j'allais aller dans une autre forêt. Et c'est ridicule comme ça mais j'ai trouvé une branche. Je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Le problème, le diamètre il est très bien. Le problème c'est qu'elle bouge un petit peu. Et c'est vraiment un petit arbre. Je pense qu'on va partir là dessus. Je vous montre tout ça, regardez. Donc ça serait cette branche là. Donc ce qui est super, c'est que c'est assez droit, ok, c'est pas trop haut, donc j'ai pas besoin de grimper à l'arbre pour faire le max traction. Le seul problème, c'est que ici ça va un peu tout bouger. Là, franchement, aujourd'hui, je pourrais pas trouver mieux, donc je vais partir là-dessus, et puis on verra bien, j'ai vraiment envie de le faire aujourd'hui, là je me sens en forme, donc on va partir, je vais m'échauffer dessus, je vais faire une gamme montante, je vais faire 5 répétitions, après 10, 15, 20, je pense à peu près. Et si ça passe, si ça balance pas trop, c'est parti. Ok? Donc ce qu'on va faire, je vais faire ma gamme montante et aussi je vais m'échauffer parce qu'il fait pas chaud chaud. Et puis après, je vous reprends et puis je vous montrerai tout ça. Ok? À tout de suite. Bon allez, c'est bon les gars, tous les facteurs normalement ils sont réunis. J'ai fait une petite gamme montante, donc je sais à peu près comment gérer. Il faut vraiment que je mette le maximum de mon poids de corps vers la droite pour pas que ça balance trop à gauche. Donc c'est une question d'adaptation, c'est très intéressant. Donc j'ai plein de trucs à raconter mais je vous embête pas plus. On va au concret, on va essayer de faire le maximum de traction sur une branche. On est parti, let's go!
J'espère que le compte est bon, les gars. Ouh. C'était plus dur que ce que je pensais. Comme je vous ai dit, comme c'est déséquilibré, ici tout mon petit rond, tout mon côté droit, au bout de 35-40, il était mort. Mort. Et à gauche, j'avais rien, justement. Normalement, dans ma tête, il y a 51. Et sur ces séries assez longues, j'ai tendance à zapper une rep. Donc normalement, il y a 50. Faites qu'il y a 50. J'espère. Putain, c'était trop bien. C'était trop bien. Ah, c'était magique. La nature. Bon, le seul point négatif, c'est que j'avais mis mes écouteurs. Parce que j'avais besoin d'être dans ma bulle. Ça, c'est un peu contre nature. Mais, wow, c'était trop bien. J'ai eu l'idée hier soir. Donc là, on est dimanche. Donc c'est mon dernier entraînement. Pseudo-entraînement de la semaine. Vendredi, j'ai fait le circuit de Max Trou. Là, je vous mets la vidéo juste en haut. Hier, j'ai pas pu m'entraîner parce que je devais réviser pour mes partiels. Enfin bref. Et ouais, hier soir, je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'ai été fortement inspiré par une chaîne qui fait du parcours. C'est Léo Urban. J'ai découvert sa chaîne hier, mais waouh, la révélation. Je vous laisse découvrir ça. C'est tout ce que j'adore. Tout ce que j'adore. C'est magique. Je vous spoil pas. Allez voir vraiment. C'est quelque chose de magique. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça que j'aime, Flo. C'est la nature. Mais c'est la nature. C'est revenir à l'état un peu, ouais, d'avant, sans prise de tête. Ah, je suis content. Je vais compter mes répétitions. J'essaie d'être le plus clean possible. J'espère. Hein, ça a été vraiment compliqué parce que bah la barre, vous voyez, de toute façon, on le verra en vidéo, ça bougeait. Mais waouh, je suis content. Bon, je vais compter mes répétitions. Et après, je vais continuer un petit peu mon entraînement. Rapidement, je vais faire un peu de pompe. Parce que j'en ai besoin pour mon prochain objectif. Et après, je vous emmène avec moi faire un petit truc sympa. Je vais vous expliquer. Et puis, voilà. Bon, les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, une serviette, un petit peu d'eau. Regardez comment c'est joli. Voilà. Bon, l'eau, elle donne pas trop envie, je suis d'accord. Hein. Il y a pas mal de vases, pas mal d'algues, mais on s'en fiche. Du coup, bah, on va essayer de se baigner hein, pour bien récupérer de cette semaine d'entraînement. Je vais pas rentrer en détail par rapport à la cryo, etc. Moi, c'est surtout voilà pour faire un point, finir ma semaine d'entraînement. C'était quelque chose que j'utilisais quand même beaucoup durant ma préparation pour la compétition en Italie. Mais plus chez moi, dans mon bain. Je faisais un bain froid. Dans l'eau, c'est différent. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais vous emmener avec moi. Puis, on va conclure la vidéo là-dessus. Ok? On se calme, du coup. Respiration. C'est ça le plus important. Putain, je suis vraiment dans la base. Vive la Bretagne! Waouh! Oh, c'est joli. Oh, c'est joli par là-bas. Oh, les gars. Je suis trop content, là. Ah. Allez, on essaye de se reposer, de se concentrer sur notre respiration. Ok, 1, 2, 3. On profite. Le plus dur, c'est de rentrer dedans. Une fois que tu y es, ah, ça fait tellement du bien. Je sens mon corps là. Ouais, je vais rester encore un petit peu. Je vais pas, voilà, pareil, je vais pas expliquer tous les bienfaits de la cryo, etc.
Je vais pas rentrer dans ces détails là, ça pourrait être le sujet d'une vidéo, hein, pourquoi pas. Moi là c'est plus d'un point de vue mental et je sais que ça fait du bien, surtout pour les sports d'endurance comme moi, c'est très important. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a vasodilatation des vaisseaux, etc. Voilà, je suis pas encore assez informé là-dessus pour en parler. Déjà, je pense qu'il faut faire avant d'essayer de comprendre pourquoi. Et aussi, ce que je voulais dire, moi, je suis vraiment un plus grand fervent de la récupération naturelle. Pour moi, ça, c'est naturel. C'est quelque chose qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin de machines de cryo, de pistolets de massage, de plein de trucs. C'est naturel. Et on commence à comprendre un petit peu ça. On est allé beaucoup trop loin, je pense, dans tout ce qui est récupération. Et ça sert à rien. Faites des trucs naturels et vous verrez. Laissez votre corps récupérer tout seul. Laissez votre corps récupérer tout seul. Arrêtez d'essayer de forcer de récupérer plus vite. Déjà, entraînez-vous avant et n'essayez pas de récupérer d'efforts que vous n'avez pas fait. Voilà, on va se laisser sur ces belles paroles. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.